il est toujours bénéfique de perdre la graisse et de gagner du muscle. Cela vous donne non seulement une belle silhouette, mais vous permet également de bénéficier d'une meilleure santé. Dans cet article, vous allez découvrir un régime pauvre en calories pouvant vous aider à perdre jusqu'à 3 kg pendant 3 jours. À vous de jouer. Prenez donc votre courage à deux mains et préparez-vous pour vous débarrasser de vos kilos en plus. Quatre éléments sont essentiels pour perdre du poids: la volonté, un régime faible en calories, de l'eau et du sport. Le secret d'une assiette diversifiée avec moins de calories. Jour 1 petit déjeuner. Le petit déjeuner est considéré comme le repas le plus important de la journée, car il donne à votre corps l'énergie nécessaire pour mener à bien les tâches quotidiennes. Le petit déjeuner pour votre régime militaire de 3 jours comprend une tranche de pain grillé multigrain, ou de blé entier. Deux cuillères à café de beurre de cacahuète fait maison. Douze pamplemousses. Complétez-le avec un thé, ou un café noir sans sucre. Jour 1 déjeuner. Le déjeuner est un autre repas important de la journée. Il devrait être plus léger que le petit déjeuner. Le déjeuner pour votre régime militaire de 3 jours comprend une tranche de pain grillé sans beurre de cacahuète. Un demi-tasse de thon. Vous pouvez assaisonner votre nourriture avec de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Jour 1 dîner. Le dîner doit être aussi léger que possible et doit être mangé au plus tard à 19h. Sans gratte de viande tout type. Une tasse de haricots verts. Une banane. Une boule de glace à la vanille sans sucre. Une pomme en tranche. Jour de petit déjeuner.
une tranche de pain grillé multigrain, ou de blé entier. Un œuf à la coque, au plat, en omelette ou dur. Une banane. Jour de déjeuner. Une tasse de fromage cottage. Cinq biscuits salés. Un œuf dur. Jour de dîner. Un filet de poisson cuit au four. Douze carottes bouillies. Une tasse de brocoli bouilli. Une banane. Une boule de glace à la vanille sans sucre. Jour 3 petit déjeuner. Une pomme. Une tranche de chaudard. Cinq biscuits salés. Jour 3 déjeuner. Une tranche de pain grillé multigrain ou de blé entier. Un œuf dur. Jour 3 dîner. Douze bananes. Une tasse de thon. Une boule de glace à la vanille sans sucre. Si vous pensez que ce régime vous a destiné, assurez-vous de consulter un médecin avant de le suivre. Buvez de l'eau tout au long de la journée. Boire beaucoup d'eau est essentiel pour votre santé et, en fait, pour votre survie. L'eau est un élément important de toutes les fonctions et processus du corps, y compris la digestion et l'élimination des déchets. Des études ont montré que l'eau potable augmente votre métabolisme et améliore votre taux de combustion des graisses. Boire de l'eau est important pendant la perte de poids, car elle procure une hydratation sans calories indésirables.
Boire des liquides non caloriques, comme de l'eau avant ou pendant un repas peut aider une personne à la diète à se sentir rassasiée plus tôt. Explique Donna Logan, diététicienne agréée à l'Université de Texas Medical School à Houston. Soyez actif. Être actif est la clé pour perdre du poids sans le reprendre, selon de nombreuses recherches. En plus de fournir de nombreux avantages pour la santé, l'exercice peut aider à brûler les calories en excès que vous ne pouvez pas éliminer par le régime alimentaire seul. Il est toujours conseillé de ne pas adopter longtemps un régime hypocalorique, et de toujours prendre conseil auprès de son médecin avant. Ceci est d'autant plus valable pour les personnes qui souffrent de pathologies et qui suivent un traitement médicamenteux. Kiss for you.